Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 45 sur PS3. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2014 ainsi qu'une très bonne santé. Donc voilà, c'est fait. Oh là, j'ai été trop vite. Donc dans cet épisode, je vais essayer de tirer les betteraves. J'ai vu vos commentaires. Comme quoi, vaut mieux que j'achète une machine à patates. Je suis tout à fait d'accord avec vous, carrément d'accord même, parce que les tracteurs, voilà, il y en a assez. Et c'est vrai que la petite machine à patates, hein, elle fait un petit peu, bah, elle est toute petite. Hein. Donc, attendez, je vais baisser un peu le son parce que là, hop, voilà, bah, elle est toute petite. Hein. Donc, je suis à deux doigts d'être dans le noir, hein, il est 19h04 sur le jeu. Tout n'a pas très bien poussé là. J'ai commencé à tirer un peu de patate pour prendre un peu d'avance. Lui, je vais aller l'envoyer à bosser là-bas. Je ne sais plus ce que j'avais mis là-bas. On va voir. Donc, maintenant, je me mets un peu en stock, hein, parce que voilà, je vais attendre les fortes demandes un petit peu, hein, puisque jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment. Je n'avais pas attendu les fortes demandes. Bon. Là, je vais essayer de faire un effort quand même. Je regarde vite fait. Type de culture. Du blé dans le 2. Est-ce qu'il est mûr? Ouais. Bah, je vais l'envoyer au 2. Je vais aller envoyer un Mossbat là-bas. Elle met du temps à vider. Bon, bah écoutez, j'ai le temps de faire un tour. Oh, excusez-moi. Hop. J'ai tout à fait le temps de faire un tour tant que elle se vide et tout. On n'est pas à la pièce, hein. On n'est pas pressé. Donc là, ouais, les betteraves. Depuis qu'on a cette machine, là, c'est vraiment génial, hein. On est vraiment pas emmerdé, hein. Bon, je fais une petite vue intérieure, on m'a demandé plusieurs fois là. Donc, puis, oh là. C'est tellement plus facile de tirer les betteraves en vue intérieure. Hein. Bon, là j'étais en train de faire un petit peu le con, hein. J'étais aussi loin que ça. Bon. Yop là. Bon, en vue intérieure, ça fait réel, ça fait génial. Bon, là je commence à me répéter. Je vais mettre un ouvrier le temps d'envoyer la machine là-bas et puis je vais la reprendre après. J'essaierai d'acheter le champ qui est en face du. Bah, de celui-ci. C'est le champ 19, je crois. 19, ça fera une. Ah, ça fera une sacrée longueur pour bah, pour récolter soit betterave, soit patate, soit moisson, je sais pas encore, on verra bien. Ou bien du maïs. Puisque je n'ai pas. Bah, je suis pas arrivé à la fin de ma carrière encore, hein, malgré tout. Je pensais avoir fini pour maintenant, mais non, mais pas du tout. J'ai encore du taf. Donc, là, je vais mettre un ouvrier. Je suis à 19%. Ouais, ça va le faire. Ah oui, c'est vrai. Évite les mâches arrière. Je vais couper. Faut éviter les mâches arrière avec cette machine. Hein. Ouh là là. Bon. Oh. J'arrête pas de me faille. Voilà. Bon, passer là, passer là. Voilà. Ouh.
On est parti. Oh là. J'ai pas pris de porte-coupe, hein. Tant pis, hein, je vais comme ça là-bas. Bah, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'emplacements et j'ai pas envie de les gaspiller sur un plateau. Donc voilà. Voilà pourquoi. Alors, je vais regarder vite fait. 15 emplacements, mais ça part tellement vite, hein. Il suffit d'acheter. Bah. La machine à patates, déjà, elle va nous prendre un peu d'emplacement, mais on gagne de l'emplacement puisqu'on va quand même vendre les petites machines. Donc, on verra après si on prendra un plateau ou pas. Si ça vaut le coup. Bah non, je vais aller vers là. Pas pensé, sinon je leur ai envoyé direct et puis avant de commencer l'épisode, hein, je n'ai pas pensé du tout. Ça fait de la route jusqu'à là-bas quand même, surtout en moissonneuse. En vue comme ça peut être pas mal. Donc j'espère que vous avez passé des agréables fêtes, que tout s'est bien passé pour vous, que. Quoi je sens là? C'est dedans. Je sais même plus ce que j'ai semé là. Je ne me souviens plus. J'essaye de réfléchir depuis tout à l'heure et ouh, c'est du colza. Bah écoutez. Peut attaquer le colza, c'est pareil, hein. Attendez, je vais bien le mettre parce que sinon. Hop, allez, travaille-toi. Non, pas toi. Donc, ça, hop, au dépôt. Bah, au dépôt. Non, on stocke. Hop là. On met ça là-bas. Oh. Donc j'ai remarqué qu'on était déjà arrivé 3000 abonnés sur la chaîne. J'ai pas eu le temps de préparer l'épisode hein, parce qu'il y a à peine 15 jours. Ouais, il y a un petit peu plus de 15 jours. On était déjà en train de fêter les 2000 et là on va en fête les 3000. Ouais. Bah j'ai pas eu le temps. Hein, j'ai pas eu le temps encore. Je sais pas. On va voir. Je vais voir ce que je vais vous préparer, si j'ai le temps, suivant le temps, machin. Je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Franchement, je vous dis merci quand même. C'est vraiment énorme. Pourquoi je vais vers là, moi? Voilà, j'en perds la tête, voilà, j'en perds mes moyens. Ouais, 3000, c'est bon. Même moi, je suis bouche bée. Je sais pas quoi dire. Oh. Pas du tout quoi dire franchement à part merci merci de me suivre et merci pour les gens qui s'intéressent et tout et qui marquent des commentaires bien sympas et tout franchement ça fait plaisir vous êtes vraiment adorables vous êtes vraiment sympas et tout moi j'ai rien d'autre à dire hein. J'ai rien d'autre à dire parce que voilà vous êtes parfait, par quelques-uns. Bon. C'est la vie, c'est comme ça. Il y aura toujours des gens à faire chier, hein, comme vous me l'avez dit l'autre jour. Hein. Ça doit être des jaloux, ou je sais pas. Donc, attendez, hop. Bah oui, hein, j'ai pas pris une grosse machine pour mettre un ouvrier. Hein. Non, what? Allez, c'est parti. Vitesse 2. Wow. Oh, génial. Alors, moi j'espère que dans le 2015, hein, s'il y a un 2015, franchement je voudrais plus de culture. Parce que bah, beaucoup plus de culture, hein, comme je sais pas moi, je sais qu'il ramasse des petits pois. Alors, je sais pas trop parce que nous dans le coin on n'a pas
Il y a quelques-uns qui mettent des petits pois, mais c'est des énormes machines là qui viennent. J'y connais pas trop, mais je sais que les petits pois ça se ramasse avec des genres de machines comme ça. Mais franchement, ça pourrait être sympa. Il y a quoi d'autre sinon qui pourrait mettre Il y a tellement de cultures qui pourraient mettre encore. Donc ce serait sympa que dans le 2015, que ça soit diversifié en fait, qu'il y ait plusieurs cultures. Parce que une fois qu'on a fait le tour hein, des cultures, hein, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, comment dire. Oh, what? D'accord. Ça c'est au cas où vous voulez changer les chenilles ou la roue. Désolé. Hein. C'est l'ouvrier en fait que quand on l'embauche, il a repli, je sais pas pourquoi, mais bon. Et donc ouais, une culture plus diversifiée, ça pourrait être pas mal, comme je parlais tout à l'heure hein, des petits pois, mais il y a plein de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'ils pourraient faire. Hein. Après, peut-être ils sont déjà en cours de. Ils sont peut-être déjà en train de travailler là-dessus. Ou je sais pas. Hein. Ça pourrait être plutôt pas mal. Ce serait bien, même dans les commentaires, hein, que vous me dites ce que vous aimeriez voir dans un farming. Comme ça pourrait peut-être. On pourrait peut-être être sur la même longueur de ronde là, parce que là je parle de ça alors que ben voilà, j'ai pas travaillé sur le sujet. Hein, je dis franco, j'ai pas travaillé sur le sujet. Ça m'est venu comme ça à l'esprit quand j'ai vu quand je suis rentré dans la machine. Hein. Je me suis dit, tiens, j'ai vu une machine comme ça il y a quelques mois pour les petits pois, ça pourrait être pas mal. Oh. Ouais, bon, je suis plus nul que l'ouvrier. Hein. Donc voilà. Ça, moi, je pourrais vous marquer dans les commentaires, et puis moi j'en parlerai à la prochaine vidéo, dans l'épisode 46, des personnes qui ont écrit leur idée. Hein, je donnerai vos noms et puis je donnerai vos idées. Et puis comme ça, on en parlera dans la vidéo. Hein. Ça, je vous dirai si c'est. Je pourrais discuter de vos idées, quoi. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait faire un épisode plutôt sympa. Ça se remplit assez vite quand même les betteraves. Hein. Je sais combien de pourcents de ma remorque, hein. Je sais même pas en plus. Ouais, quand je regarde. Par contre, il faut que j'aille m'occuper de la moissonneuse. Hop, je mets un ouvrier. 90%. What? Ça par contre je les vends. Je les vends direct parce que voilà je suis juste à côté. C'est aussi simple. Hein. Je vois combien au restaurant là. Bah, c'est le passé. Alors, restaurant. Ah j'ai une forte demande pour les patates. J'ai même pas fait gaffe en plus. 835. 835, c'est très bien. Ah j'ai même pas fait la forte demande pour les patates. C'est peut-être pour ça que j'avais commencé à tirer pour essayer de m'en rappeler en fait. Qu'avec toutes les séries là en ce moment, je suis vraiment très très débordé. Ouh, le mot très débordé n'est pas assez grand encore. Ouais, je suis vraiment à la bourre. Je suis vraiment désolé. Après, j'essaye de faire le maximum, hein, vraiment désolé. Comme l'épisode avec Madame, il n'a pas pu tourner parce que déjà Madame était malade la semaine de Noël. Et là, cette semaine, elle a perdu sa voix. Donc comme ça, c'est encore plus simple. Hein, donc on ne peut pas tourner. Pourquoi je dis c'est encore plus simple? Parce que voilà, c'est plus sympa pour moi. Je n'entends pas râler. Franchement, je suis peinard. Et on en profite bien. Voilà quoi. Donc ouais, on espère tourner quand même la semaine prochaine. J'espère parce que franchement, ça fait un moment maintenant qu'on n'a pas fait d'épisode sur. Qu'on n'a pas fait de défi. Hein. Moi, tout est prêt. Hein. On n'a plus qu'à enregistrer. Et on verra bien. Qu'est-ce qui nous arrivera la semaine prochaine encore? Oula. Donc, ça c'est bon. C'est vide. Lui, il est plein. Il est où? Ah, lui, il est pas plein. Pourquoi mes sous descendaient plus tout à l'heure alors? Je sais pas.
pas pourquoi, mais ça descendait pas. Ah, juste un. Eh, ça, je suis synchrone. Voilà, comme ça, il vide, il se casse. Qu'est-ce qu'il me faut, moi? Attendez. Je regarde juste un truc. J'ai 15 emplacements et la machine à patates est veau. Je regarde vite fait. Hop. 479. 479. Non, j'ai pas assez encore. Bref, j'en ai pas assez. Là, il faudrait que ça pousse ça, hein, parce que là, ça va être chiant sinon. Là, je peux déjà tirer ça. J'évite toujours de faire la même chose, hein, parce que sinon, bah voilà, c'est lassant pour vous, hein, c'est normal. Hein. Donc, j'essaye de diversifier. Hein. Hop là. Je suis parti sans allumer mon brouilleur. Hop. Concentré pour faire la petite marche arrière là. Alors, il me fait chier lui, hein. La machine à patates qui s'est levée. On est parti. Allez, en vitesse une. Ça prend là? Ouais, ça prend. Ouais, j'essaye vraiment de diversifier les choses, hein. Oh là, mince. Ah bah attends, je vais reprendre droit parce que sinon je reste là. Ouais, j'essaye vraiment de diversifier les choses pour bah voilà, pour pas vous plomber, hein. Je sais bien que dans un épisode j'avais fait une petite erreur où plusieurs fois j'avais fait la même chose. Et puis ça vous avait pas forcément plu. Alors maintenant j'essaye de passer. J'ai envie de dire un peu du coq à l'âne, hein, comme ça, bah, vous voyez plein de choses dans un épisode. Et voilà, ça, vous avez l'air d'aimer ça, donc après dans ce sens-là, je suis pas sûr d'être bon. Hein. En fait, quand le brouillard est posé, en fait, j'aimais pas. Hein, dans une des vidéos, je vous avais dit que j'aimais pas le brouillard à l'avant. Et finalement, en fait, il aide. Il aide beaucoup parce que une fois qu'il est bah, dans les rangs, et ben. En fait, il suffit de regarder l'avant et de plus regarder l'arrière, en fait. Et là, quand on est comme ça, bah, c'est assez difficile. En plus, il y a l'ombre du tracteur qui fait chier. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas votre écran. Ça vient pas de vous. Ça vient du jeu. Hein. Même moi, j'ai du mal à voir là. Je suis obligé de. Bientôt, je vais avoir les yeux collés à la télé. Là, je vais essayer de reprendre les boucles que j'ai oubliées là partout. Ça nous arrivera plus normalement et la grosse. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais dû commencer à tirer les patates. Hein. Je pense qu'il y avait une forte demande et puis juste quand j'ai fini l'épisode en fait, ou alors pendant l'épisode en plus, je me rappelle même plus en plus. Donc comme ça, c'est bien quoi. Hop. Allez, on est parti. Est-ce que ça prend là? Je sais même pas. Ça a l'air de prendre. Vous voyez, un brouillard, il est sur la rangée là et celui-là il prend là quoi. Donc comme ça c'est plus tranquille. Hein. Ça prend. Bah, vous avez pas à bouger, vous avez juste qu'à regarder l'avant en fait. Faire attention à l'avant. Et après, ben, normalement vous en oubliez pas. Après ça arrive hein, qu'on est occupé à droite ou à gauche et puis voilà on perd un petit bout de rien du tout. Pas la mort non plus. Hein. 99, 100. Arrête-toi. Ah c'est chiant ça qu'il s'arrête pas. Voilà. Oh bah de toute façon je peux le sortir de là. Puisque il me faut une remorque. J'en ai pas façon des remorques. Alors. Excusez.
en position. Donc, non, j'en ai une. Ouais, elle est là-bas, l'autre est là. Ouais, d'accord. Donc, j'en ai pas non plus. Donc, j'en ai pas de remorque. C'est malin ça, hein. 56%, 69%, il a fini ici. Moi, je vais le vider. Cette fois-ci, je vais baisser avant d'arriver parce que sinon, je vais encore faire une boulette. Voilà. Et je vais aller voir mon pote qui est là-bas. Il doit pas être loin d'avoir d'être plein. Il a pas son bras relevé encore, je sais, mais ça devrait plus tarder. Est-ce que j'ai mis de l'engrais normalement? 62. Hop! Toi, tu te casses. Tu vas travailler là-bas. Oh mince! Hop! J'étais parti en mâche arrière encore alors que le mâche arrière fonctionne pas très bien. C'est autant choper le petit bout en même temps en passant. Hein. Et en fait, la machine à patates, je vais la mettre dans quelle remorque? Parce que là, ils sont où les remorques? Bon, on pourrait essayer. Hein. Alors là, il y a le problème du champ qui est complètement bugué. Oh là là! Et ça tire dans tous les sens. Je suis en 2, hein, regardez, niveau de régulateur de vitesse 2. Et je suis à 3 km/h parce que ça force sur la carte. Hein, le jeu appuie, je sais pas où sur la carte. Voilà. Hop. Je suppose que si ça me le fait, ça vous le fait aussi. Donc voilà. Très belle machine. Donc moi là-dessus, bah, je vais vous laisser. Hein, bah, je vous dis bah, à la prochaine et ciao. Allez, salut!